dans venez voir, venez voir, moi c'est toujours à faire. C'est notre texte depuis le vendredi. Ni usomi wetu toka siku ya tano. OK, vous y êtes? Vous y êtes? Psaume chapitre 2, verset 7 à 8, je lis moi-même. Amen. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Que Dieu ajoute une bénédiction à la lecture de sa parole. Amen. Maintenant regardez-moi. Regardez-moi. Voilà. Se connaître en Christ, c'est très important. Amen. Amen. Si tu ne te connais pas en Christ, qui tu es, le diable et ce monde vont te terrasser. Amen. Amen. Si quelqu'un ne se connaît pas, il est comme un esclave. Si tu ne te connais pas, tu seras comme un esclave. Il y aura des endroits où c'est toi qui dois décider. Mais tu vas te retrouver, on décide à ta place. Dites amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Il y a des endroits où tu dois être vénéré. Mais c'est n'importe qui monte sur toi. Si tu te connais, tu vas vivre et tu vas te comporter selon la valeur que tu as. Amen. Je vous dis ça. Si tu te connais, tu ne vas pas t'habiller n'importe comment. Se connaître, c'est-à-dire connaître sa valeur. Savoir ce que tu vaux. Est-ce que tu connais ce que tu vaux? Tu sais, si tu te connaissais, aucun sorcier de ta famille ne pouvait truquer ta vie comme on le fait aujourd'hui. Tellement que tu ne te connais pas, Zaidi aujijue, regarde n'importe quel sorcier, angari enakuwa tu ni mulozi wote, il peut décider sur ton avenir et sur ton présent. Anaweza kukamata mupango pa maisha yako ya kesho wala ya sasa. Tellement que tu ne te connais pas, Zaidi aujijue, il y a le péché qui s'accroche sur toi. Kuna kuya zambi inambatana kuko wewe. Sama bamba. Inakubamba sama bamba. Vous connaissez ça? Muna yua mabamba. Les mabamba. Kama kuwa umwetu muta yua mabamba. Amen. Le péché te colle comme mabamba. Inakula mata sa mabamba. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Se connaître,
C'est quelque chose de très important. Si tu arrives à te connaître, automatiquement tu es délivré. Tu n'as pas besoin des gens autour de toi pour que tu te comportes correctement. Mais tu as besoin seulement de ta conscience et de Dieu. Juste besoin de ta conscience et Dieu. Parce que tu sais que tu es en Christ. Premièrement, en Christ, tu es une nouvelle créature. C'est la première des choses que tu dois connaître. Tu dois te dire que moi, je suis une nouvelle créature. Je ne suis pas destiné à la boisson. Je ne suis pas destiné à l'impudicité. Je ne suis pas destiné à voler. Je ne suis pas destiné à jalouser. Parce que je suis en Christ, je suis une nouvelle créature. Donc ma façon de parler doit changer. Ma façon de se comporter doit changer. Parce que je connais qui suis-je. Est-ce que tu te connais? C'est très capital se connaître. Surtout en Christ. C'est un petit exemple que je ramasse. Parce que tu te connais, tu peux. Non, je ne peux pas quand même aller m'exposer sur la route à 7h, à 1h du matin, aux 23h, tout ça, mal habillé, cherchant quoi? Parce que tu te connais, tu ne peux pas t'habiller n'importe comment. Amen. Laisser les dos nus, la poitrine nue, tu te dis sexy, tu laisses les seins, tout le monde voit. Parce que tu te connais, tu vas te dire que je ne peux pas m'exposer, je ne peux pas exposer mon corps. Un chrétien, c'est de la valeur. Alléluia. Amen. Vous savez se connaître. Tu sais, si je connais la valeur, je ne peux pas me rabaisser au rang de commencer à critiquer mon voisin, à critiquer mon frère. Amen. Là, c'est trop bas par rapport à ma valeur. Amen. Amen. Non, il faut se connaître. Il a failli kujijua. Qui tu es? Où konani? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je disais alléluia. Amen. Se connaître. Kujijua. Je vous dis. Namiambia. C'est la clé de l'élévation. Ni fungulo ya kunyanyuliwa. C'est la clé de la délivrance. Ni fungulo ya ufungulivu. Je me connais. Je suis un chrétien. Parce que Christ lui-même, Christ veut dire oint. Quand nous disons oint, là-dedans il y a la puissance. Amen. Toi frère, tu vas te retrouver, tu es là. Wenduku tajitanisha kupale. Balanza kujisha madawa se nguvu ya banaume. Tu oublies que tu es chrétien, tu as Christ. Lui-même c'est oint, c'est la puissance. Unasabu ya kusema huko mpakaliwa huko na Christ. Christ mwenyewe ni uwezo, ni nguvu. Ba frère. Le frère. Donc un enfant de Dieu qui se connaît. Mtoto wa Mungu mwenyewe anajijua. Il a une seule référence. Yeye anakuwa na kionyesho tu kimoja. La seule référence est Dieu pour lui. Dieu ne peut rien échouer. Dieu ne peut rien échouer. Si Dieu guérit le malade, si Dieu guérit le fou, si quelqu'un qui a des calculs rénaux qui sort, les calculs sortent, les pierres là qui sortent, sans opération, pensez-vous que les autres difficultés que vous pouvez avoir, Dieu peut jouer? Non. Se connaître. Kujijua. Alléluia. Amen.
Il y a certaines personnes, en tout cas le rang que j'ai, je ne peux pas. Dans la vie, il y a des niveaux. Il y a des catégories. Tout le monde n'a pas le même niveau. Tout le monde n'a pas la même catégorie. Amen. Ça, vous devez le savoir. Amen. Catégorie a que ni kujisha ki konga ki amoto. L'autre c'est ventre. Kumungine catégorie a que vila na riuwa. L'autre c'est comme il se connaît. Ni kujisha tout. Lui c'est seulement ventre. Des articles dans un grand magasin. Maintenant toi tu es dans quelle catégorie? Oye ou comme qui pindikan. Or, tout ce que nous savons, si, si, celui qui est dans la catégorie inférieure, catégorie, il cherche à monter dans la catégorie supérieure. Amen. Mais toi, tu es dans la catégorie supérieure, tu es en train de descendre dans la catégorie inférieure. Tu es le fils d'Obama. Frère, comment tu peux vivre? Répondez-moi, tu es le fils d'Obama. Obama. Hein? Mais ta vision à toi, ça ne sera que de l'excellence. Or, Obama, c'est une pourriture après-demain. Mais l'éternel, lui, il demeure éternellement. Mais l'éternel te dit que tu es mon fils. L'éternel te dit, tu es mon fils. Mon bien voisin, c'est moi. L'éternel me dit, je suis son fils. L'éternel me dit, je suis son fils. Mais c'est fini. Aujourd'hui, je connais que je suis le fils de Dieu. Oh, la Bible dit, au fils, on a donné la domination. Et la domination est posée sur ses épaules. Désormais, en tant que fils de Dieu, akuna ta loi moya ya famille tenait à dominer maïsha ya. Amen. Encore dominer ta vie. Il suffit tout simplement de comprendre ça. Où elle est où il est. Même si auna na kintoa basasa. Même si tu n'as rien présentement. Même quelqu'un sur les noms ministres. Il n'est pas qu'à parler à quelques minutes. C'est pas seulement au même moment. Déjà, bah, t'as changé na nyumba yake. On va changer même sa maison. Donc, banamou nommé. Il est nommé. Alléluia. Amen. Il doit prendre l'avion, rejoindre le gouvernement. Amen. Il va écouter les instructions. Amen. Qu'on va lui donner. Amen. Et déjà dans sa tête, la première des choses, il commence à entrer en contact avec les maisons d'habillement. Amen. Amen. Je pense que c'est ça. C'est ça. Pour que tous les jours, qu'ils soient en veste bien vêtus, amen. Il commence à planifier. Yes. Maintenant, quand on te dit que tu es fils de Dieu, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Est-ce que tu commences à planifier? Tu commences à voir comment tu peux changer? Écoutez, Jacques chapitre 2, ce n'est pas dans mes habitudes hein, de lire beaucoup de versets. Jacques chapitre 1, verset 22. Écoutez, Jacques 1, 22. Écoutez, ce que la Bible dit. Mettez en pratique la parole. Neno. Vous suivez? Mettez quoi en pratique? La parole. Or la parole dit quoi? Tu es qui? Ukonani. Tu es le fils. Mutoto. C'est ce que la Bible dit, non? Bible la parole dit que tu es le fils de Dieu. Inasema, uko mtoto wa Mungu. Mais la Bible dit, mettez en pratique quoi? La parole. Bible inasema, ekeni katika tendo, neno. Qu'est-ce que tu dois faire? Una paswa fanya nini? Mais déjà, tu dois prendre les attitudes d'un fils de Dieu. Mettez en pratique la parole. Amen. Amen. Et ne vous bornez pas à l'écouter. Il y a Kuishikia. Yes.
en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Amen. Lorsque tu écoutes la parole en pratique, et tu te bornes là avec des faux raisonnements dans ta tête, il n'y a rien qui va se passer. Est-ce que c'est moi qui le dis? Non. C'est Dieu qui le dit. On me dit, je suis fils de Dieu. Et c'est fini. Même spirituellement, je change aussi physiquement. Quand je suis en train de prier, je sais que c'est moi qui est en train de régner sur la puissance de la sorcellerie. Amen. Là, quand je prie, Amen. C'est ça la dimension du Fils de Dieu. Le Fils de Dieu ne tremble pas devant les démons, devant les situations. Marie et Marthe, Maria na Martha, pleuraient. Mais Jésus dit, pourquoi vous pleurez? Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est ainsi que moi je ne tremble pas. Moi je ne panique pas. Même si c'est difficile. J'ai dit seulement, ça va aller. Amen. Pourquoi? Parce qu'un fils de Dieu, il ne pleure pas, il ne tremble pas, parce qu'il sait que la victoire est avec lui en tant que fils de Dieu. Amen. Si y a un fils, il va dire Alléluia. Alléluia. Si y a un fils, il va dire Alléluia. Alléluia. Ne t'ai-je pas dit? C'est pourquoi mais pourquoi vous pleurez? Quanini mon conaria? Lazare n'est pas mort. Lazare a si couffert. Lazare dort. Lazare en alala. Mais pourquoi mon frère? Quanini ndoku yangu? Pourquoi ma soeur? Quanini dada yangu? Tu commences à abandonner même Dieu. Unaanza na kuacha Mungu. Tu veux bricoler la solution pour ton problème. Mais tu ne te connais pas. Tu ne te connais pas. Le fils, la domination est posée sur lui. C'est au fils qu'on donne le pouvoir. C'est au fils qu'on donne la bénédiction. Baraka. Yoka amen yabango. Amen. C'est au fils qu'on donne le pouvoir. Amen. C'est au fils qu'on donne l'héritage. C'est au fils qu'on donne toute la puissance. Et puis toi, tu n'es pas le fils de n'importe qui. Mais tu es le fils de Dieu. Amen. Mais ton Dieu à toi, il te donne tout le pouvoir. Il te donne toute l'autorité. Écoute, n'accepte pas de mourir comme un esclave. Oh. N'accepte pas de mourir comme un esclave. N'accepte pas de continuer à être traité comme un esclave. Bouge tes yeux, c'est qui tu as, c'est tout. Amen. Ne bouge pas seulement ta tête, dis seulement amen. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez ce qu'il disait, dit Jésus. Yes. En tant que fils, il n'a pas accepté de diminuer devant Pilate. Pilate, il a pris Barabbas. Il a pris Jésus. Il l'a mis là-bas. Il pose la question à Christ pour le terroriser. Dieu a écoutez ce qu'il disait. Qu'est-ce qui se passe? Jésus regarde Pilate. Yes, on a mangé à Pilate. Pilate commence à
Non, non. À les terroriser. Tu confirmes que tu es le roi des Juifs. Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir soit de te relâcher, soit de te condamner. Jésus l'a regardé. Amen. Jésus l'a regardé Pilate. Amen. Toi, tu joues avec moi. Je connais ce que je suis. Amen. Je suis le fils de Dieu. Amen. Premièrement, tu l'as dit que je suis le roi des Juifs. Amen. Et puis deuxièmement, tu dois retenir que si je suis dans tes mains, c'est parce que le ciel a approuvé. Amen. Mais sinon, écoutez, yes. Il ne faut pas trembler. Amen. Devant la sorcellerie de la maison de ton père. Devant la sorcellerie de la maison de ta mère. Amen. Nous ne tremblez pas. Dis à la stérilité. Amen. Tu n'as pas d'autorité sur amen, moi. Amen, amen. Tu n'as pas de pouvoir sur amen. Moi. Amen. Dis au blocage là. Amen. Tu n'as pas d'autorité. Amen. Dis au blocage. Amen. Si tu as régné. Amen. Parce que si le ciel a accordé. Amen. Mais dans ces trois mois. Amen. Chaque chose a son temps. Amen. C'est le temps où le Fils. Amen. Doit être glorifié. Amen. Jésus. Si un fils, il dit Alléluia. Alléluia. Ah, Mrs. Kiata. Si un fils, il dit Alléluia. Alléluia. Jésus a dit à Pilate. Yes, on a mambi à Pilato. Mais dis ce que tu dis là. Kijana ilo na sema ile. Mais Pilate était troublé de la réponse de Christ. Écoutez, si tu te mets là à pleurer toujours, tu trembles, tu pleures. Au lieu de prier, mais toi tu pleures. Le fils, il a fait un secret. Toute la nuit, il s'est retiré à la montagne dans la prière. Il savait que moi, en tant que fils, ma force, je la tire dans la prière. Amen. Et la journée, quand Manashima, s'est levé, le jeune garçon. Toute la nuit, priant. Amen. Dans la journée, s'il commence à marcher. Il y a un orgueil qu'on a. L'orgueil qu'il a. Quand on a fait comme l'angle, il passe. On a pita. Amen. Amen. Parce qu'il se connaissait. Reste vipère. Amen. Tombeau blanchi. Il est connaissé, mon mouba bilat. Oba mingizan. Mais non, mais c'est tombeau blanchi. Dieu Pierre n'a mandé vous la mouangaria. Pierre le regarde. Judas n'a pas de chunga ou takupata. Amen. Takukuria makuta ou. Amen. On a muntu wa Mungu. L'homme de Dieu. Kama unamkuria makuta. Si tu manges pour l'argent. Tu ya kumfanya mubaya. Na kufua. Yashi takufua. Oh takufua. Mais oh takufua. Amen. Alléluia. Amen. Yashi takufua, oh takufua. Amen. Pas c'est toi qui mourras. Manakupa makuta sema we. On lui a donné l'argent. Mututo le prophète. Utayacha. Eh. Utamuto. Qui s'en a toqué la moto, mon micro n'a pas le retour. Qui sera le fait? Qui s'en a mouillé la couffe? Et puis toi-même, tu vas mourir. Je prophétise sur toi. Prophétise. À partir de Léo. Amen. Et trois mois. Amen. Mouloji Oto la Takopokelea. Amen. Atalungwa na Kauke. Au nom de Jésus. Ça c'est ta prophétie. Amen. Mon bien voisin, je suis un fils. Je suis un fils. Un fils de Dieu. Un fils de Dieu. Et puis vous savez, il a dit, l'Éternel m'a dit, tu es mon fils. Virgule. J'étais engendré quand? Aujourd'hui. J'étais engendré quand? Aujourd'hui. 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 Vous
Vous savez engendrer ce que ça signifie. Engendrer veut dire reproduire sa propre divinité dans une autre personne. Faire quoi? Reproduire sa propre divinité dans une autre. C'est ça engendrer. Dieu te dit que j'étais en... Dieu veut tout simplement dire j'ai reproduit, j'ai transmis en toi. Amen. Ma divinité, je l'ai déposée en toi. Amen, amen. Oh. Amen. Engendrer, c'est reproduire sa propre divinité dans une autre. Amen. Donc Dieu dit, je t'ai engendré aujourd'hui. Amen, amen. C'est-à-dire, j'ai transmis. Amen. Autrement dit, ça veut dire recréer. Amen. C'est ça reproduire. Hein? C'est recréer. C'est vrai. Pourquoi mon malo est bizarre? Il faut que je funga. Il n'a pas la bicha. Mais Mungu. Mais Dieu. Il a pris encore le temps. Il dit même, c'est aujourd'hui. Amen. Que je t'ai engendré. Mungu na kumba mala ya piri. Amen. Il faut que Apa Mungu na kumba mala ya piri kombo na yo ekomi danger de mort. Yes. Amen. Ya solo. Et que tu conçois dans ta tête. Si Dieu te dit que tu es mon fils, commence à te comporter en tant que fils de Dieu. Amen. Comporte-toi. Tu dois te connaître. Il ne faut pas avoir peur. Amen. Des circonstances. Amen. Des événements. Amen. Mets-toi à genoux. Amen. Prie Dieu. Invite Dieu. Amen. Invoque Dieu. Amen. Il va descendre. Atashuka. Il va descendre. Atashuka. Il va agir. Atatenda. Parce que le fils, Mutoto. Le père ne peut pas l'abandonner. Le père ne peut pas abandonner son fils. Il est toujours à côté de son fils. Il a dit, je ne peux pas vous abandonner. Mais un bon fils, c'est celui qui est obéissant à son père. C'est l'unique caractéristique de mon fils. L'obéissance à son père. Est-ce que tu obéis à Dieu? Amen. Est-ce que tu obéis à Dieu? Est-ce que tu obéis? C'est le problème. Joe Mambo. Si tu n'obéis pas, tu es un rebelle. Kama muti Mungu uko mtombozi. Amen. Dieu n'aime pas des rebelles. Mungu asipenda ki batombozi. Dieu te dit qu'il y a la prière, le marathon. Mungu anasema kuko mandamano. Oh, c'est à midi, n'allons pas dimanche. Toi, tu t'es dit, moi, j'irai seulement le dimanche. Moi, je pense que. On a zani un kusema. Kama mambo na kuyo, t'as quoi la puissance à vous déclarer les mambo shibambi. Apana. Non. Apana. Tu n'as pas été obéissant. Oui, ya kukwa mutifu. Tu sais, il y a des petites choses. Kuko tobi tutuloko. Lorsque vous n'obéissez pas, wakati mwe amuti, ça vous bloque dans des grandes dimensions. Il faut être obéissant. Obéissant à Dieu, c'est très capital. C'est ce que la Bible dit, mettez en pratique. Dis à ton voisin, reste obéissant, c'est tout. Reste obéissant. Reste obéissant à ton père, c'est tout. Reste obéissant à ton père, c'est tout. C'est ce qui est important. C'est l'obéissance. L'obéissance à Dieu. Si tu l'obéis, tu obéis à toutes ses recommandations. Tu seras un fort. Il n'y a personne qui te fera quelque chose. Ça, c'est le plus grand secret. Siri Munene. Voilà ce qui fait la force de notre église. C'est l'obéissance du leader à Dieu. Amen.
Vous savez, l'obéissance, un fils, c'est qui fait sa force. C'est l'obéissance à son Dieu. Amen. Obéissons à notre Dieu. Obéis à ton Dieu qui t'a donné le titre du fils. Tout ce que Dieu te recommande dans la parole, fais-le. Et dans la pratique, Dieu te dit, prie. Dieu dit, deux bouteilles d'eau d'onction, prends. Toi, tu es le fils, toi, tu fais ça. Tout ce que Dieu te dit, ne faites pas ça, ne faites pas ça. Alléluia. Amen. Vous verrez que c'est le plus grand secret. Mais je prophétise sur toute l'église. Amen. Que ces trois mois, les sorciers, Abbas Afakin. Amen. Tout celui qui va prier, qui va respecter ce programme, amen. Il est membre Yangaïka depuis janvier ou Deipata dans ces trois mois. Amen. Octobre, novembre, décembre, c'est pour toi. Amen. Mais, Lakini, connais-toi. Ujijue. Hein? Connais-toi. Ujijue. Il faut changer. Il faut changer. Amen, hein? Amen. Amen. Ta manière d'être. Namuna kwa kuwa. Ta manière de vivre même chez toi à la maison. Namuna ya kuisha ta kwako kunyumba. Alléluia. Amen. La manière pendant que tu es avec des amis. Namuna wakati uko na barafiki yako. Apana kurishusha chini. Amen. Quand toi tu es toi qui dois diriger. Oh, amen. Ongoza. Déliez-le. Déliez-le, on doit voir. Déliez-le. Gouletma Pachakouna. Quittez la parole. Ainsi parle le prophète de la part de Dieu. Ah ah ah, c'est pas possible. Cherchez quelque chose pour couper. Pache Kisu. Cherchez même Kisu Kintu Kamakari. Bio 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 bio. Mettez-vous. Amen. Zamba Tatoyo. Salakam Kambo Abikamo. Amen. Zambé Abikamo. Mouze Apana Kouri. Apana Kouri. Mungo Takusaidi Aleo. Il faut bien le faire, hein? Il ne faut pas le blesser. Ce n'est pas possible. Je m'en mise. Jusqu'à ce que ta gloire descende. Elie, Elia, Elia, yes. Elia, 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 ce qui est en Zambé. Papa, pas comme ça. Menacement, ou une autre. Amen. Mina me récupérer au nom de Jésus-Christ. Amen. Na menacement, pepo yote ya machine. Amen. Mina il faut qu'il chante. Ok. Menacement anapona. Amen. Menacement anapona. Amen. Menacement anapona. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Jina kuni nani? Jina yako. Niko ngushi mwaba Enoch. Ok. Sema mina pona. Mina pona. Au nom de Jésus Christ.
Au nom de Jésus-Christ. Katika jina la Yesu mina pona. Katika jina la Yesu mina pona. Katika jina la Yesu buloja busta kwa na uwezo. Katika jina la Yesu mapepo na buloja busta kwa na uwezo. Yesu muloji ota tapima. Muloji ota tapima. Atanguka sasa. Atabamba moto atanguka. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Mungu wa huyu baba shote. Mungu wa huyu baba. Ananisaidia leo. Anisaidia leo. Maisha yangu inachange. Maisha yangu na sauvé. Mina kwa sauvé. Mina kwa sauvé. Na kwa délivré. Na kwa délivré. Sina tena majimu. Sina tena majimu. Katika jina la Yesu Kristo. 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 Mina tembea. 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 Tembea tena, wenda kule. Mina tembea. Mina tembea. Mina pona. Mina pona. Mina pona. Mina pona. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Mina pona. Mina pona. Mina pona. Mina pona. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Mungu au baba. Mungu au baba. Eko mujima sana. Eko mujima. Na shita kufuaka. Amen. Yes! Yay! Zamba tatoyo. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Envoyé. Montre-toi tel que tu es. Rabbi, montre-toi. Montre-toi tel que tu es. Yahweh, mi monissa. Mi monissa. Elo le yosali. Lelo, mi monissa. Mi monissa. Mais je vois écrit sur ta poitrine divorce. Oui, on a divorcé. Tu n'es plus dans le royaume. Écoute. Je vais suspendre ce divorce. Yes! Vous avez le mandat. Écoute. Ce que je vais te dire, ça peut te troubler. Je suis dans le quartier de Willeri à Kinshasa. Amen. Prophétise. Tu connais? Oui, je connais. C'est là où je reste. Prophétise. Tu dis? C'est là où je reste. C'est là que tu restes. Oui. Willeri. Oui. Tu vois quand tu arrives, tu es sur le boulevard là. Oui. À droite là. Yes. Avenue Tchela. Amen. Je vois avant d'entrer, il y a des gens qui vendent quelque part. C'est ça l'homme de Dieu. Voilà. Transporté. J'arrive. Amen. Je vois un monsieur. C'est écrit sur lui Pierrot. Mungu baba. Amen, l'homme de Dieu. Ce mariage doit se réconcilier. Amen.
et la décision Amen. Qui est montée dans le cœur de Pierrot va changer. Cette décision va changer. Yes. Déjà au moment où nous parlons avec toi, Amen. Je vois Dieu qui touche un prophète à Kinshasa. Amen. Je vois ce prophète en train de composer un numéro pour appeler ton mari. Amen. Je vois le prophète qui compose que 089 56 89 519. Amen. Je vois le prophète qui est en train de composer. Dis à ton voisin que Dieu est vivant. Dieu est vivant. Nous nous vivons. Yes. Prophétisme, mon frère. Vous êtes connecté au trône. Dieu t'a vu cet après-midi. Amen. On est en train de parler à Thomas. Amen. Ce qui a détruit cet homme. Amen. Tu sais, ma soeur, il y a un problème très sérieux dans votre famille. Amen. Un problème très sérieux pour le mariage. Oui. Les femmes souffrent. Oui, les femmes souffrent. Oui, je te vois avec tes deux petits gosses là. Oui, c'est bon. Je te vois avec tes petits gosses. Amen. Écoute. C'est ma vie, Baba. Ta vie, tu me suis amené. Ta vie. Prions d'abord. Prions. Amen. On doit prier. Amen. Écoutez. Que Dieu ne te cache pas sa face. Amen. Je me prépare au nom de Valérie Boulaboula. J'habite sur l'île de Golf. Sur l'avenue Isangila 7825. Pendant 8 ans. Tous ceux qui n'ont pas de problème. Famille n'a il y a des bosses dans la famille n'anga toza basimisatu. Na basimisatu ana bazaka marié divorcé. Bango nyoso ce lien wana landa kiti na mariage n'anga to soit na ki problème ezala kité comme ka incompréhension mobali a décidé nga na yo esili zonge pa na bino ye pa continuer vie na ye. Oh pasteur nyoso alobi, oh prophète alobi po n'anga nyoso alobi eza solo. Ba onyoso ba okutana na situation lokola yangai. Ba mi pesa ka mingi na Nzambe et pa pasteur Christian. Nzambe azan Nzambe ya solo. Azan Nzambe oyo azoyoka kolela ya bana, ba o baza na pasi. Nzambe za wana po na koyoka. Lelo eza jour na nga liboso. Grand temps na nga nda bengisaki nga ka yaka tokende église. Mais Nzambe asali grâce et pas nanga a mimoni si a sali miracle yango wana la lobby ba onyonso bazala ba problème ba kalokola ngai ba kikoya Nzambe osai la bango grâce c'est ça avec cinq enfants. Je prends entre parenthèses le nom de Jeanne. C'est Jeanne. Alors il y a quelque chose. Hello. À qui l'obéit. Et là qui l'obéit. Amen papa. Écoute ma soeur. Amen papa. J'avance. Au prophétisme homme de Dieu. C'est là que je veux arriver. Amen, papa. Pour que Dieu. Amen, papa. Ne puisse pas te laisser dans ce filet de la mort. Amen, papa. Amen, papa. Je vois que tu as perdu ta soeur Jackie. Amen, papa. C'est sûr. Elle est déjà morte. Morte. Stérile. Sans enfant. Stérile. Amen, papa. C'est ma haute barbe. Vous voyez comment on classe les choses en ligne. Amen, papa. Elle, c'est quoi? La stérilité. 22 ans, mais elle est au mariage. Amen, papa. L'autre, elle a des enfants, mais sans mariage. L'autre, pendant qu'elle voulait essayer, elle est morte. Amen, papa. Dada, amen, papa. Ton mari Kazadi ne mourra pas. Amen. Amen, homme de Dieu. Moi, le prophète dit, ton mari Kazadi. Amen. Et moi, le prophète, je dis, amen. Même après 22 ans, amen, papa. Tu vas toucher l'enfant. Amen. C'est siku ya leo neema ya Mungu inafanya seke Mungu anyone mu eglise. Na message yangu inatoka kule Bubaya ilianzia kusudi mimi nifike na hii wakati bila kuzala. Mungu anasema pa maisha yangu. Bala na
nataya ni banduku yangu. Ula nataya Jaki ni dada yangu le minafuata pa Mukongo. Alikufa bila kuzala. Mina mie minanza kufuata mwile njia moya moya. Ula nanifuata Jeanne. Njoo ule anasha kuzala batoto ba 5. Me ana kubukweri. Anakawa sane kwa mdivorce. Biote bile mutumishi wa Mungu anasema ni bia kweri. Mishi yamu esplika kama mbo yangu. Shiaona naka nae. Ndianza kutafuta namna yote ni mwone. Mina shindakana. Mina sema Mungu shiku moya. Demira anza depuis mu mwezi wa 11 kuingia mu eglise. Nikafika mu mwezi wa 11 minaanisha inane. Mishi ya monaka aya profetizaka pa maisha yangu. Mimi nasema paka siku moya. Vile mimi naonaka kwa na massage ya Mungu nashuka ku bengine. Na mimi siku moya Mungu atanisaidia. Na ile siku nishuku kwa nini leo hii? Mu maombi Mungu anasaidia mu bantu ba mingi sana. Mungu ananyona. Mimi nashukuru Mungu na mtumishi wake. Ule anasha kutuma mu hii wakati. Juu ya kuweza kutusaidia sheba kuangaika, mimi mtu niko naishi mu detresse. Message mimi napatia bantu ni kusema Mungu eko ako na leo hii. Mungu eko nasema na leo hii kupitia batumishi yake, bale anesha kupatia manda, bale anesha kuetablir mwii peyi yetu ya Congo, plus précisément mu Lubumbashi. Kwa profeti mchungaji wa Mungu ule mina respectaka sana. Mimi mu famille a partir ya kufuata message yake ku television. Mina mu respectaka sana. Mina sema Mungu amujalie neema. Endelee paka hivi. Akumbuke kwa sheba antu tuku naishi mumagumu, mumateso, muaya. Tuku naishi muaya ikiwa mfamii, ikiwa mkartie. Tuko bantu ya kutelemusha machozi kila siku. Me Mungu wa kumbingu kupitia profeti Jacob. Analeta mesaji yangu na mina mini, mita zala. Na mita letaka tena temwanyaji kupitia paka, paka media. Mine banlurisha makuta yako. Amen, amen. Mimi na banalurisha makuta yako. Amen. Nilikuwa naombea makuta. Unasema? Nilikuwa naombea paka mambo ya makuta mishitumike hapo sasa. Effectivement. Amen. Wakati unaanza kuomba, amen. Mungu ananiconnecter kwako. Amen. Mungu anasema huko naombea problem ya makuta. Amen. Makuta inakupotea. Na vile makuta ilikupotea au comprendre. On a dit retrouver, on a quoi main vide. On a forcé modèle ya koyote. On a sema nyujiche kintu kifulani, mitapima kuji retrouver. Ukiujiche makuta tena na pote. Ukiujiche tena makuta na pote. On a dit retrouver palo rikuya, unaanza kumkumbusha Mungu. Mungu kumbuka ko ata ile. Amen. Offrande. Amen. Nilikabriaka mutumishi fulani. Jove miranja. Amen. Praise and cause. Donc, c'est ça le problème. Orianza qu'exposé. Amen. Tu disais à Dieu, oui. Il y a une offrande. Amen. Il le franchit comme tout Michel Fulani. Amen. Ça, Dieu il cherche à marquer ta vie à quoi. Amen. C'est pas ça? C'est ça. Il cherche à marquer ta vie à quoi. Oui. Non, Dieu kintu. Mkuomba mambo ya makuta, Mungu akusaidie kurikumbusha na hiki kintu. Maombi yako likitaya hapo rianza komba. Alors Mungu kunasema hivi. Amen. Anaona. Amen. Anashikia. Amen. Maombi yako. Hallelujah. Mungu anashikia na Mungu anakupa makuta. Amen. Amen. Mungu anasema nakupa makuta. Amen. Au-delà ya hii mambo ya makuta. Amen. Neno na Mungu anafukisha pepo ya kifo. Amen. Munyumba yako. Hallelujah. Parce que mu famille yenu. Amen. Wakati mwa banapurisha mpepo. Amen. Inaanza kuwa bantu. Jovi. Inaanza kuwa bantu. Jovi. Pale wiko ulikuwa na problem ya bushingishi. Jovi. Juu ya kulala. Jovi. Donc kama unaingia mukitanda ukifike tu wakati mwa hivi na vile butakachika. Hakuna tena kintu ataki moyo. Jovi. Mungu anasema ulikuwa prochain candidat. Ule baritafuta kuangusha, ule baritafuta naye kuwa. Amen. Me Mungu anasema anakusove. Haleluya. Ipepo ya kifo Mungu anaifukisha mbali. Amen. Kisha ulikuwa kunekala, ulianza kuwaza kufanya déplacement mwa fulani. Jove. Ulitafuta kujideplace. Amen. Me ulikuwa na madoute. Est-ce que kama mimi najideplace, oui. Est-ce que mitapata? Parce que à chaque fois nous nous déplacer, nous nous éloigner, Dieu nous retrouvaka tena bina kwa nguvu
Namuna tena yami kuluria binakuwa nguvu. Amen. Mungu anasema anaksepte. Hallelujah. Anafungula milango yote. Amen. Donc maombi yako we. Amen. Mungu anaishikia. Hallelujah. Oh, merci Jesus. Je m'appelle Patrice Kabuya, frère Patrice Kabuya. J'habite au carrefour sur l'avenue Kingonja, numéro 31, non en Tayambe. Oui, c'est vrai, il y a quelques années passées, on a connu vraiment beaucoup de problèmes dans la famille. Et d'ailleurs, moi-même, l'année passée, j'ai connu un accident. Le Seigneur m'a délivré vraiment de la mort sur la route Kasumbalesa. Ce qu'il dit là est vrai. Et qu'il y a l'esprit des morts qui est en train de me hanter chaque fois. Et tantôt là, elle a prophétisé que le Seigneur m'a délivré. On a connu aussi multiples décès, comme il venait de le dire, dans la famille. Donc je confirme vraiment les prophéties de l'homme de Dieu. Tout ce qu'il a dit est vrai. D'ailleurs, tantôt il a dit que je priais pour les finances. Effectivement, je priais pour ça. J'ai rappelé, comme il avait dit tantôt là, j'ai rappelé à l'Éternel de se souvenir du bienfait que j'ai toujours posé à l'endroit de ses serviteurs. Je pourrais demander beaucoup aux nombreux fidèles et avoir la foi en Dieu et de s'approcher vraiment de l'homme de Dieu Kabamba. C'est un homme que Dieu utilise puissamment. C'est un homme que Dieu étale, hein, étale facilement la vie des gens. Quand vous vous consacrez en Dieu, Dieu est là pour révéler toutes les choses cachées. Je peux souhaiter que les bonnes choses, je peux souhaiter que l'homme de Dieu continue avec l'œuvre de Dieu. Et il y a beaucoup de gens qui sont des captifs, ils peuvent toujours venir à l'église, le Seigneur agit, son Dieu est vivant, il est vraiment vivant et il agit. On vient de tirer ta jambe. Amen. Ta jambe était emportée. Dans peu de temps, tu ne marcherais plus. Cette jambe serait complètement paralysée. Ça c'est vrai. Complètement paralysée. Ça c'est vrai. Et tout ceci se passait suite à un combat familial qui s'est connecté avec le combat du service. Ça c'est vrai. Mon frère, Dieu t'a fait grâce. Amen. Dieu t'a donné des moyens. Oui. Par rapport au travail que tu as, tu ne devais pas avoir les moyens que tu as. Ça c'est vrai. C'est une grâce particulière que Dieu t'a faite. Ça c'est vrai. Vraiment, les moyens, l'argent, frère, toi tu as touché de l'argent. Au point où ça a créé, ça a relevé beaucoup de jalousie. Je vois une nourriture que tu avais consommée. Cette nourriture dans ton corps a pris la forme de gouttes. Ça c'est vrai. Je souffre de gouttes. Hein? Je souffre de la goutte. Tu souffres de la goutte. Oui. Voilà, ça a pris la forme. Tu as commencé à souffrir de la goutte. Tu as commencé à souffrir de la goutte. Ce n'était pas seulement la goutte. Le problème était vraiment un, ou soit de te donner la mort, ou soit de te paralyser. Que tu restes paralysé. Ça, et au-delà de ça, qu'est-ce qu'on a fait? On a attaqué la force d'homme. On a attaqué. On a attaqué. Et quand on a attaqué la force d'homme, c'était question qu'on puisse ouvrir des petites fenêtres pour voir comment on peut t'avoir. Je vois, Dieu t'a fait grâce. Quand cette sorcellerie a réussi, je vois ça s'est connecté avec le service. Qu'est-ce que je vois? Je vois une lumière sur toi. Dieu me dit, il te connaît, frère. Amen. Tu es son fils. Amen. Tu es l'enfant de Dieu. Amen. Quand tu dors, il y a toujours des visitations de Dieu dans le rêve. Amen. Il ne faut pas coller tes membres. Amen. À cause de cette jambe, tu es allé partout. Tu as sillonné. Tu es entré dans ceci, dans cela. Ça, c'est vrai. Cherchant toujours
la guérison de cette jambe. Oui. Mais je vois le Dieu du prophète qui vient de retirer ta jambe de la gueule du lion. Ah, merci, et prophète. Dieu me dit, à partir de maintenant, attache-toi à cette femme. Amen. Reste attaché à cette femme. Amen. Dieu dit, en étant ensemble avec cette femme, il y a la joie ainsi que le nombre de survies sur la terre vont augmenter. Amen. Et la faveur de Dieu va augmenter. Amen. Ma soeur, Urianza Kusema Ivi, Mukuzuni Kakwako, tu es en train de dire. Amen, papa. Kama ninye makuta mungu munyanganyeyo. Amen. Dieu mambo ranza kusema. Amen. Hmm? Amen. Midi sema. Unapenda banyanganye makuta bien ibaki. Ibaki. Au pulula ke motoka. Apa tena shibulula. Nina temba tena na beki. Wa temba na beki. OK, beba kila konte, vous lui donnez un véhicule là-bas. Il est sarifika, tulumpokelea na papa ou les policiers. Je crois que yejo alumpokelea chaque mubamba. Akwanza kutembe. Shikwanza kutembe. Akwanza kutembe. Hapana. Depuis lundi mini pique crise. Au tembe. Hapana. Frère tembe. Jésus, Jésus, Jésus. Rebaka saike. Rababa shaka. Alléluia. Reba sabego. Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia. Yes. Yes. Et puis, à ce qu'on a fait un mouvement et flexion, il y a jambe gauche. Donc, il ne croit pas que. C'est vrai. Oui, oui. C'est vrai. À quoi ça fait flexion? Fais une flexion. C'est pas possible. C'est pas possible. Maintenant, c'est un changement. Je suis pas où maintenant. Tout va bien maintenant. Nibia Kweri. Je retourne à Mujima Menda Tumikia Kolwezi. Arrivé à Kolwezi. Maintenant, Tumika, tout 3 semaines. On n'a pas de problème à Mukulu. Après ça, je suis ma grade Katoka. Je suis à Lokula. Je suis à Tesso Sarana et Mukulu. Ça fait 5 mois. Kolwezi, je suis à l'hôpital presque yote. Ma médecin va me prescrire malawa ma spécialité vile bonye baranza kuita mais ay konifa kitu arrivé à Lubumbashi tena nayo ni on a 2 mois et 2 semaines Lubumbashi ina tembeta na kuma hôpital tena kwa chana hapa niko nafataka kinete donc changement inako hapa na prophète atofamiane na ina shit umona ku télévision tu quoi intéressé njo tunakuya. Tunafata hii mambo tana sema ni ya vya kweli tunashukuru tu Mungu sana. Il ne me connaît pas. Tout ce qu'il a parlé sur moi c'est la vérité. C'est la vérité. Depuis ma naissance, j'ai eu toujours des combats. Tout ce qu'il a essayé de parler du service de ma maison, donc il a tapé juste. Moi, c'est ma toute première fois de le rencontrer. Et tout ce qu'il a parlé sur ma vie professionnelle, du mariage, je crois que c'est un serviteur de Dieu. Personnellement, j'ai dit que c'est un serviteur de Dieu. De ne rien dire. Je vous remercie pour commentaire. Ah oui, à vivre, ni boule. Je suis en train de faire la télévision. Léo, tu as osé, tu as fait, 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 pour la première fois. Tu alors, tu as fait, 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 Miranza kutembea na beki, sama kubamba kubitu jomi na tembe. De dimanche, lundi, mardi, leo hapa miringia, shina hivi miringia. Ndugu yangu ule, na ye tuku na ye, ni soda. Bari nipokea nje, barona vile miringia. Niriangaika sana. Kama umadike kili kitanja 14, je mette decourage. Kule niriangaika, niriangaika na pakichi. Njua kupanda, banyone, banyombe.
parce que bila risema na mimi na mpendaka Mungu sana ilikuwa na ni travail mimi na konda ina sante yangu baba ataniambia bantu wana nyona beko na ni leo na sicha uchungu mimi na muonesha Mungu na nyacha batu mulumbashia banyoani unasunguta beko na nicheka je dis à Dieu kama una nyacha hivi takimbia mulumbashi Mina kikisha ilikuwa dérangé sana journée allait wana tranquille atapala nikala pakiche ko paka nikale vi anikale donc depuis bushiku niko paka mina la muka shikulale niko paka na mwangaria ili mfamu baya sana mais hapa mina mona tu prophète na mombea mina ona changement ya nguvu changement en tout cas ya nguvu na mina yose kunaisha matunzo inaonekana mina mshukuru Mungu tema ina arrangement jour mi famille ni première fois mina mi shu yake ata ikote zaidi Une première fois en Afrique où mon frère en lunettes Jesus. Mon frère en lunettes ton temps est arrivé tu as beaucoup servi Dieu c'est Dieu qui vous parle mais tu as connu beaucoup de déceptions parle encore prophète homme de Dieu les hommes qui étaient autour de toi parle encore homme de Dieu par rapport à l'appel que Dieu a déposé en toi je suis à l'écoute de ce que Dieu parle et ces hommes ont beaucoup découragé ta marche. Ajoute, parle pour moi, homme de Dieu. Ils ont beaucoup découragé ta marche. Parle, homme de Dieu. Au point où il est arrivé à un niveau de ta vie, tu as dit, donc Dieu ne me voit pas. Prophétise, homme de Dieu. Je change de direction. Vous parlez de la part du Seigneur. Tu as dit, je change de direction. Amen. Et qu'est-ce que tu as fait? Tu es allé, tu as commencé maintenant à vouloir chercher ta vie pour la maîtriser de ta manière. Ça, c'est vrai, homme de Dieu. Et la voie que tu as empruntée, parle, c'était homme encore de Dieu. Une voie tortueuse. Parle. Les échecs en échec. Ça, c'est vrai. Mon frère, les échecs en échec. Ça, c'est vrai, homme de Dieu. Au point où l'ennemi a attaqué même ta maison. Ça, c'est vrai, homme de il Dieu. Il a attaqué ta maison. Parle, homme il de est Dieu. Venu, il a cherché à fragiliser. Parle, homme de Dieu. Il a cherché à fragiliser prophétise. Ta maternité. Et plutôt, à fragiliser ta maison, ta maternité. Prophétise, il est venu, il a amené des problèmes. Prophétise, homme de Dieu. Où tu as commencé à vivre l'humiliation. Ça, c'est vrai, homme de Dieu. L'humiliation. Parle, homme de Dieu. Tu as commencé à vivre l'humiliation. Parle, j'écoute ce que Dieu parle. L'humiliation. Parle, homme de Dieu. Jusqu'à ce jour, parle. Cette humiliation continue. Parle, homme de Dieu. Tu t'es dit. Parle, homme de Dieu. Si réellement ce prophète-là. C'était ça ma prière. Que tout le monde est en train de Dieu. Crier. C'était le premier signe. Oui, si. Parce que je voulais me confirmer. Oui, mon frère. Tu parle. Te disais avant de venir là. Ça, c'est vrai. Tu disais si réellement. Parle. Il est de Dieu. Par rapport à tout ce qu'on raconte. Ça, c'est vrai. Si j'arrivais là. Qu'il me parle. C'est ce que je lui ai parlé. Ça, c'est la parole de Dieu. C'est ce que je parlais. C'est ma première fois. C'est d'être ma première assis. D'être dans la salle. Tu te disais vraiment, si le prophète, il est envoyé de Dieu. Parle, c'est ce que je disais. Qu'il me parle. Prophète. Partout où tu passais, parle, c'était prophète. Des problèmes. Parle, c'est partout vrai. Où tu passais pour servir Dieu, c'était parle. Des problèmes. Ça, c'est une réalité. C'était des problèmes. Ça, c'est vrai. Au point où tu as dit, bon, ça va, je prends la Bible, je mets là. Oui. Maintenant, moi, alors, je choisis le chemin, je pars me débrouiller autrement, je vois comment faire ma vie. C'est Dieu m'a dit qu'il m'avait appelé à son œuvre. Mais voilà parle, pour le problème que je suis en train de connaître. Alors, je dépose la Bible, je et voilà. J'ai fait les affaires. Oui, et tu as connu des échecs à l'échec. Parle, l'homme de Dieu. Pendant que tout le monde pouvait réussir, mais toi, tu ne pouvais pas réussir. Vraiment. Là où tout le monde s'est retrouvé, toi, tu ne pouvais pas te retrouver. Parle, le prophète. Et au point où tu as connu l'humiliation, même dans le chemin que tu avais choisi, ça, au point où il restait moins un que la porte de la prison s'ouvre sur toi injustement. Ça, c'est vrai, homme de Dieu, parle. Et tu avais pleuré, tu avais dit, Seigneur. Ça, c'est vrai. Je retourne vers toi. Amen. Amen. Ça, c'est de la part du Seigneur. Et aujourd'hui, l'heure est arrivée. Oh, gloire au Seigneur. L'heure de ta libération. Yes, come on. L'heure de ta délivrance. Come on. C'est arrivé. Jesus. Regarde, Jesus. Dieu, maintenant, là, je te parle. Dieu va dans la famille de ta mère. Oh, ça, et Dieu vrai. Va maintenant couper des choses. Amen. Dieu va maintenant couper les liens. Amen. Dieu va couper les paroles qui te réclamaient. Amen. Du côté de la famille de ta mère. Et Dieu me dit, l'heure est arrivée. Amen. Où Dieu veut t'honorer. Alléluia. Au nom de Jésus. Je m'appelle pasteur Étienne Moukenziav. Bon, c'est de la part de Dieu.
quand c'est Dieu qui parle, on ne doute pas. On ne doute pas, mais seulement quand il parlait, j'ai vite compris la confirmation de mes questions. Parce qu'à tant qu'un homme de Dieu, il faut marcher avec des signes. Je sais que la ville peut parler, les gens peuvent parler, les gens peuvent... C'est ma première fois. Mais je me suis dit, quand je serai là-bas, je vais connaître ou prouver si c'est l'homme de Dieu, qu'il me dise quelque chose. Et même dans mes prières, quand on priait, on a fait longuement dans la prière, j'ai vite compris qu'il y a un miracle que je viens de recevoir. Peut-être les gens ne peuvent pas voir, mais moi-même je ne peux pas le voir. Parce que depuis le matin, nous étions en prière de notre ministère Jésus Solution. Et Dieu a permis que je vienne ici ce soir. C'est que parmi tout ce qu'il a dit, c'est de la part de Dieu, il n'y a rien à refuser ou à douter. Ce que je peux adresser à ceux-là qui m'écoutent, c'est que la Bible déclare « Tout est possible à Dieu ». La deuxième chose, « Tout est possible à celui qui croit ». Tant que dans 2 Chroniques chapitre 20, la Bible déclare 20-20, et on nous dit « celui qui croit au prophète, il est béni ». Tu vois, il faut croire à Dieu, il faut croire aussi aux hommes de Dieu que Dieu envoie. Moi, j'ai mon ministère, j'ai les dons, mais je ne peux pas vous douter aussi. On se complète. Moi, je suis pasteur, mais l'autre est prophète, l'autre est apôtre. Je ne dois pas me minimiser. Moi, Dieu travaille avec moi. Souvent, j'utilise de l'huile, mais je ne peux pas mal parler pour toi qui utilise l'eau, pour toi qui utilise les pommes. C'est selon la révélation. Quand vous lisez la Bible, vous allez voir que parmi la guérison miraculeuse des aveugles que Jésus a fait, je te donne trois témoignages. Tous les trois aveugles n'étaient pas guéris de la même façon. La première aveugle, tu vas voir, c'était un aveugle né. Quand Jésus s'est croisé, ils ont dit, pourquoi il est comme ça? Est-ce que c'est le péché? Et quand Jésus l'a vu, vous allez voir, il a mis des saluts par terre, il a mis de la terre, il a appliqué sur ses yeux pour dire, allez, c'était la vie au Siloé. Ça, c'est la première. Mais la deuxième, Jésus l'a tenu à la main. Il est sorti avec lui, il l'a touché à la main. Qu'est-ce que tu vois? Je vois les gens qui marchent comme des arbres. Alors, après, il lui a fait le deuxième toucher, il y avait un miracle. Mais pour la troisième, vous allez voir, il lui a dit, soyez guéris et recouvrez la vie. Je voulais seulement vous dire que Dieu travaille de plusieurs façons. On ne doit pas limiter le Saint-Esprit. Moi, je crois quand je prie pour l'onction d'huile. Moi, je crois quand je prie pour l'eau, je ne vois rien de mystique. Alors, c'est un peu ça mon message. Merci bien. Et vous pouvez dire actuellement quelque chose. Et tu peux vous appeler qui a pris le prophète Christian Jacob. Bon, ce que moi je peux dire, et c'est que moi je ne dis pas ce que j'ai dit, mais je dis ce que Dieu m'a dit. Dieu m'a dit, nous sommes dans les derniers temps, Dieu commence à collectionner ses serviteurs. C'est-à-dire Dieu commence à faire le triage. Le bon français, c'est le triage. Dieu commence à trier ses serviteurs et il va le mettre ensemble pour le grand réveil du temps de la fin. Bon, le problème, moi, le prophète Christian, je n'ai jamais, même salué à la main, je ne le connais pas, je n'ai pas son numéro. C'est-à-dire, les gens peuvent parler, mais ce que je peux les demander, comme on avait dit, viens d'abord. Qu'ils viennent d'abord. Et au retour, ils vont aussi juger. C'est ça. Eh bien, venez voir ce que je vous ai fait. Venez voir ce que je vous ai fait. Oh, Kamenti, moi de l'eau d'Afrique. Sérénité, banga kakombo ya yesoyo.